L'attractivité touristique du Maroc, une nouvelle fois confirmée. Le ministère du Tourisme a annoncé ce lundi que 6 500 000 personnes avaient visité le royaume depuis le début de l'année. Une hausse de 21% par rapport à 2019, la dernière année pré-pandémie, pré-Covid-19. Une santé de fer pour le secteur, notamment portée par le marché espagnol, britannique ou encore israélien. Zubair Bouhout est expert dans le domaine touristique, lui-même basé à Ouarzazate. Il rappelle également la du Marocain résident à l'étranger. Avec 6,5 millions de touristes à fin juin 2023, le Maroc enregistre une progression de 21% par rapport à la même période de 2019. Donc, il y a une grande partie de cette progression qui est due à l'afflux massif des Marocains du monde. C'est très important. À fin mai, leur progression a été de l'ordre de 48%. Il y a un chiffre qui est très important, c'est le volume des devises à fin mai, qui est très encourageant. Et je pense qu'il y a une reprise, il y a le travel revenge, une reprise à l'international. Le Maroc essaie de tirer donc le maximum du secteur. Il y a eu le rayonnement à l'occasion de la Coupe du Monde du Qatar. C'est tant mieux pour le tourisme marocain. Zubair Bouhout, expert dans le domaine touristique au micro de Médias.